Transition de 24 mois, Embalo annonce avoir réussi à convaincre la junte. Le président en exercice de la CEDEAO l'a fait savoir lors de la conférence de presse avec son homologue, le président français Emmanuel Macron. Une semaine après sa visite éclair, Umaru Sissoko Embalo révèle qu'ils ont réussi à convaincre la junte guinéenne à ne pas dépasser les 24 mois de transition. J'ai été à Conakry avec le président de la commission de la CEDEAO pour faire comprendre à la junte militaire la décision du sommet des chefs d'État que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Eux avaient proposé les 36 mois, on a réussi à les convaincre. On a fait la même chose avec le Burkina Faso. Bientôt la ministre des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte et après moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens, qui je pense qu'on va arriver à un accord puisque c'est très important qu'on finisse avec les transitions au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso, a-t-il déclaré à la faveur de cette conférence avec Emmanuel Macron à Bissau. J'étais à Conakry avec le président de la commission pour faire comprendre la junte militaire la décision des sommets des chefs de l'État que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois et avait proposé les 36 mois. On a réussi à les convaincre. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'État des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la junte et après moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens, que je pense qu'on va arriver à un accord, parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi, il est déjà sur la table, en création d'une force anti-putsch qu'on est en train de penser à créer. Et ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle XXI. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'État. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'État, c'est un fast track. Non. Comme bien dit au président Macron, ça, il y a les procédures à arriver chef d'État. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. C'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec des coups d'État militaires. Concernant Mali, je suis sûr et certain qu'on va trouver un agenda de la CEDEAO conforme à la décision des sommets, dernier sommet d'Accra.